Tel que le vecteur EF soit égal au vecteur AB. Donc le vecteur EF soit égal au vecteur AB. Donc nous avons le vecteur AB, il est ici. On a le, le vecteur EF, donc quand عندنا دو بوان لي مجهولين لي ما كنقدروش يعني ما محددينهم ليناش أه كاين دونك شنو كتعني او اف ايغالا لو فيكتور ا بي كتعني بلي ا بي e. اف او اي تام باراليلوغرام ولكن هنا ما نقدروش نرسموه لان ما عندناش 3 بوان لان احنا مولفين كيكون عندنا 3 بوان كنلقاو لو 4 بوان دونك أه دونك صعيب باش نستعملو باراليلوغرام Alors, je vais cette l'égalité, c'est la translation, l'exercice. Donc, puisque EF, le vecteur EF, est égal au vecteur AB, alors cette égalité signifie que F, c'est l'image du point E, par la translation qui transforme A en B. Donc, on peut Donc, F, c'est l'image de E. On a E appartient à D. On a o E appartient à la droite D. Et F, l'image... Euh, l'image de, de E, du point E. Alors, puisque appartient à D et F, euh, c'est l'image de E. Alors... F appartient à la droite D' l'image de D. Donc F, puisque c'est une image de E, et E appartient à D, alors F appartient à D' l'image de D. Donc on va construire l'image de D, et pour construire, la droite D

D'elle, elle le point, cela d'elle le point. De même, je vais vous donner l'image de le, le deuxième point euh, par la même euh, translation qui transforme a en B et on obtient le quatrième sommet. Donc, elle euh, a l'image d'elle a le point. Alors, l'image de la droite D, je connais l'image de la droite D, c'est l'image qui passe par ces deux points en rouge. Voilà, donc elle euh, a D', c'est l'image de D. Alors, on a F appartient à à des donc f appartient à D' primes ou bah, f appartient à delta donc alors f appartient à l'intersection des deux droites delta et D' primes il y a alors on on a le point f donc il y a le point f maintenant pour construire le point euh, e c'est facile euh, mais il a élargi le parallélogramme a b f e Donc, on trace le parallélogramme et on obtient le point le point E. Voilà, aucun coup, jamais les conditions. On a AB égale à EF parce que c'est un parallélogramme et on a E appartient à D et F appartient à delta. فوالا بالنسبه هذا يعني تمرين مهم بالنسبه لي زابليكاسيون ديال ترانزاسيون